Enfant, j'étais très timide. Pourtant, l'endroit où je me révélais le plus, c'était devant des gens, devant ma famille, mes amis qui écoutaient mes histoires. J'étais timide et pourtant, j'adorais rassembler. J'avais un rêve, c'était d'être pasteur. Je regardais ces films américains avec des églises pleines de monde qui chantaient, dansaient, souriaient. Je voulais faire pareil, je voulais réunir tout le monde. Mais bon, je crois pas avoir été assez sain pour ça. La musique est venue à moi. J'ai d'abord commencé par la batterie, puis le chant, et on m'a dit, Lucas, monte sur scène. Et c'est là que j'ai compris pourquoi j'étais sur Terre. Mon rêve d'enfance était là, présent, devant moi. Des êtres humains rassemblés en paix, pour une seule et même cause, l'amour de la musique. Et là, réunir était devenu pour moi un objectif de vie. Oui, mon rêve. Après 10 ans à avoir enchaîné plus de 400 concerts, après un premier EP et quelques dates partout en France, me voilà prêt pour mon premier album. Mais d'abord, j'ai envie de vous transporter avec moi dans mon univers et vous montrer l'envers du décor de l'industrie musicale, vous partager ma vie d'artiste, ses hauts, ses bas, et mon aventure. J'ai envie de vous raconter les chroniques de ma quête de communion avec vous, le public. Je veux tenter de vous rassembler autour de ma musique et vous réunir autour d'un message que je partage à travers mes chansons, l'amour. Alors désormais, vous pourrez retrouver mes aventures sur cette chaîne YouTube. Mes vidéos illustreront les grands moments importants de cette épopée. Alors, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, commentez, je répondrai à chacun d'entre vous. Bref, vous connaissez. Hein ? Mes chers amis, c'est ici, c'est maintenant, c'est avec vous. Bienvenue dans Chronique d'un artiste en développement.